dans les droits culturels tels qu'ils sont définis en fait via l'UNESCO, on est tous porteurs de culture et donc on est tous en capacité de participer à la vie culturelle de son territoire. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire qu'il n'y a pas aller vers, mais on est dans des allers-retours finalement. Bonjour Christophe. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter ainsi que l'association Pâques la Lune? Alors, je m'appelle Christophe Chauvet, je suis le directeur de l'association Pâques la Lune, qui est donc une association culturelle d'éducation populaire qui initie différentes actions pour favoriser la rencontre entre des artistes, des habitants, faire découvrir différentes pratiques artistiques et on travaille dans une douzaine de quartiers populaires en région Bretagne-Pays de la Loire. Et justement, comment est-ce que vous arrivez à déployer ces actions culturelles sur autant de territoires différents et multiples? Alors, au départ, Pâques la Lune, c'est une compagnie de théâtre qui crée des spectacles historiquement plutôt dans les théâtres, hein, comme beaucoup de compagnies de spectacles vivants. Et puis, petit à petit, on a développé un certain nombre de projets en milieu scolaire. Donc, on a commencé à intervenir dans un certain nombre de territoires par le biais, en fait, des écoles et des collèges. Et il y a une petite dizaine d'années, après avoir eu plusieurs expériences en quartier populaire avec des bailleurs sociaux, on a décidé de se rapprocher en fait de ces derniers pour mettre en place des actions en pied d'immeuble. Et donc aujourd'hui, on intervient dans différents quartiers, notamment avec l'appui des bailleurs sociaux, pour faire de l'animation de rue au pied des immeubles ou dans les cages d'escalier. Et ce qui nous permet en fait de travailler sur autant de territoires, c'est aussi parce qu'on a été lauréat du dispositif Tremplin Asso, un dispositif de l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui nous a accompagnés pour qu'on déploie notre projet dans de nouvelles villes. Et donc historiquement, Pâques la Lune travaillait à Nantes et à Angers. Et aujourd'hui, donc, on bosse dans une dizaine de villes, et notamment grâce à l'appui de l'ANCT depuis les 3 dernières années, en fait. Et est-ce que tu pourrais me parler plus en détail des droits culturels et comment l'association arrive par la médiation culturelle à justement les rendre accessibles dans les quartiers? Alors, la notion des droits culturels est très intéressante, hein, puisque ça nous oblige en fait à penser autrement la pratique culturelle et artistique. Finalement, on est beaucoup en France dans un logiciel de démocratisation de la culture, c'est-à-dire aller vers les publics, rendre accessible la culture, et puis voir favoriser la fréquentation des grands équipements culturels. Et les droits culturels arrivent un peu et percutent en fait cette notion de démocratisation culturelle, puisque dans les droits culturels, tels qu'ils sont définis en fait via l'UNESCO, on est tous porteurs de culture et donc on est tous en capacité de participer à la vie culturelle de son territoire. Et ça, c'est génial, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas aller vers, mais on est dans des allers-retours finalement. Ce qui fait que notre enjeu, c'est plutôt d'être dans comment dans chaque territoire, on contribue à la vie culturelle, à la fois avec les habitants et aussi avec les acteurs locaux et enfin avec des artistes qui peuvent arriver et du coup imaginer des actions avec les acteurs locaux et les habitants. Nous, cette notion de droit culturel, ce qui nous intéresse, c'est que allié à un travail qu'on fait, nous, qui est plutôt tourné vers l'enfance et la jeunesse, on est dans cette idée de faire découvrir plein de pratiques artistiques différentes. Et donc d'ouvrir un peu le champ des possibles. Nous, notre enjeu à Pâques la Lune, c'est de contribuer à l'égalité des chances et de faire que chacun, chacune, quel que soit l'endroit où il grandit, ils puissent avoir accès à une diversité, en fait. Donc, ça veut dire qu'on va aller vers les cultures de chaque habitant
et en même temps proposer des allers-retours avec peut-être d'autres formes de pratiques artistiques. Je pense au théâtre, à la littérature contemporaine, peut-être parfois à des formes aussi d'art plastique, où bah, ce n'est pas non plus dans le quotidien de certains ou certaines que découvrir comme ça des auteurs de théâtre contemporain, par exemple. Et nous, l'idée, c'est que on favorise en fait cette découverte-là. On propose aux enfants, lors des animations, de pouvoir découvrir plein de choses différentes pour bah, s'ouvrir sur le monde grâce à la culture et peut-être avoir accès à des univers artistiques, culturels, des environnements que ils n'auraient pas dans le cadre de leur cercle familial. Est-ce que du coup, en tant qu'acteur bien implanté, vous avez pu remarquer une évolution de la place de la culture dans les quartiers durant la dernière décennie sur les territoires? Alors, c'est vrai que quand on parle de culture, déjà, je pense qu'on est obligé de mettre un S parce qu'il y a plein de formes de culture et du coup, il y a plein de projets culturels et artistiques. On a depuis très longtemps des politiques publiques qui sont volontaristes pour mettre des bibliothèques, pour installer des maisons des associations, pour installer des centres socioculturels dans les quartiers. Il y avait même des MJC, les maisons des jeunes et de la culture, voilà, plein d'espaces comme ça qui font que la culture, elle est présente dans les quartiers depuis longtemps. Il y a des initiatives d'habitants qui sont aussi très fortes autour notamment de la cuisine, hein, puisque la bouffe, c'est de la culture. Et d'ailleurs, c'est un champ passionnant pour pouvoir se découvrir et aller découvrir justement des cultures qui sont pas les nôtres. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui existent. Ce que moi je remarque, c'est que il y a une volonté de l'État et des collectivités locales de faire en sorte que les grands équipements culturels, que les événements puissent mettre en place des actions dans les quartiers pour vraiment créer cet aller-retour peut-être entre le centre-ville et le quartier, hein, puisque il y a peu de théâtres installés directement dans les quartiers. Il y a un gros enjeu de continuer à soutenir financièrement toutes les assos d'éducation populaire, les centres socioculturels, toutes ces assos qui, installées dans les quartiers, font des actions. Et ça, je pense que malgré parfois des budgets qui pourraient ne pas être à la hauteur, je pense que ces assos continuent à agir et à être inventive. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se maintient, en fait, même si on voudrait que ça se développe encore plus. Donc, je pense qu'il y a peut-être des enjeux à continuer à renforcer les soutiens, notamment, je pense, des centres socioculturels. Et puis après, c'est vrai que du point de vue plus artistique, donc, je crois qu'il y a beaucoup plus de compagnies de spectacles vivants, beaucoup plus de plasticiens, de photographes qui initient des projets. Soit parce que les villes ou l'État lancent des appels à projets ou invitent à la mise en place d'initiatives, mais aussi parce que je pense que depuis déjà pas mal d'années, le processus en fait de création artistique, il évolue en fait. Nous, on a toujours considéré, par exemple, que en voulant travailler pour un public familial et notamment d'enfants, le fait d'intervenir dans les écoles, c'est génial parce que finalement, tu es en contact permanent avec le public que tu voudrais voir après assister à tes spectacles. Et donc, c'est aussi imaginer que dans le processus de création d'un spectacle, par exemple, quelle place on donne à l'échange avec les habitants. Donc ça, je pense qu'il y a de plus en plus d'artistes qui se nourrissent de ça, donc qui ont besoin d'aller sur le terrain et qui sont plus dans un mode je me mets dans une boîte noire en résidence dans un théâtre et je n'en sors qu'au moment où je rencontre le public le jour de la première. Donc je crois qu'il y a déjà ça qui a changé. Et puis il y a aussi peut-être de plus en plus de projets où les habitants sont eux-mêmes des acteurs
du spectacle ou des acteurs. Et donc ça, c'est plutôt ce qu'on appelle les créations participatives, tous les projets où on fait participer les habitants. Et ça, c'est assez chouette. Ça crée des projets où vraiment l'habitant, il est partie prenante. Peut-être que ce qu'on a encore à continuer à creuser, y compris dans cette logique de droit culturel, c'est à quel moment les habitants, au-delà d'être participants à un projet, peuvent devenir co-auteurs. Ouais. À quel moment, et ça, je dois dire par exemple que via les conseils citoyens, on a pu à des moments repérer des envies d'habitants membres de conseils citoyens d'initier un projet. Et ça, c'est chouette parce que ça veut Ouais. dire que finalement, l'artiste ou l'asso artistique, elle vient et en fait, elle s'inscrit dans une démarche qui est déjà un peu pensée par des habitants. Et ça, c'est super parce que c'est vrai que souvent, c'est les assos qui proposent des projets et puis les habitants qui s'y inscrivent. Et faire en sorte que par le biais d'un conseil citoyen, par le biais d'un groupe d'habitants, d'une maison de quartier, il y a un projet qui se lance. Et que l'artiste arrive et tout le monde soit co-auteur, ça, c'est vraiment des choses qui se mettent en place, voilà, qui existent depuis pas mal de temps, mais finalement qui, je pense, sont de plus en plus nombreuses. Parce que je crois que quand on se balade un peu dans les quartiers et dans les villes, on voit bien qu'il n'y a pas les mêmes dynamiques quand même, quelles que soient les villes, et il n'y a pas encore une. Enfin, ça rayonne pas ou ça résonne pas de la même manière en fonction des territoires, quoi. Ouais. Ben, merci beaucoup pour cet état des lieux. Et comme tu dis, c'est super chouette de pouvoir voir que les gens s'emparent de leurs droits culturels. Ça veut dire que ça fonctionne, entre guillemets, la médiation culturelle, etc. Et justement, quels sont les événements proposés cet été par Pâques la Lune? Est-ce que tu pourrais nous en faire part un petit peu? Alors oui, bon, Pâques la Lune, depuis déjà pas mal d'années, continue l'été des animations qui sont mises en place tout au long de l'année. Donc dans une douzaine de quartiers, on va une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines être présent autour d'animations en pied d'immeuble. C'est notamment dans ce cadre-là qu'on bosse beaucoup avec les bailleurs sociaux. Donc là, l'enjeu, c'est toujours à la même heure, le même jour dans la semaine, pour donner un repère. Et ça va être de la bibliothèque de rue, donc avec des bouquins accessibles, des petits ateliers de lecture à voix haute ou de théâtre, comme ça, au pied des immeubles. Ça va être des activités créatives, fabriquer des objets. On est depuis 2 ans beaucoup dans la notion de jeu de piste aussi, donc de partir à la découverte aussi de son quartier et de travailler ce qu'on appelle les cartes sensibles, c'est-à-dire comment on cartographie son quartier avec les endroits qu'on aime, les endroits qui nous font peur, peut-être aller aussi identifier des choses qu'on aura envie de montrer ou que les autres voudraient découvrir. Donc ça, c'est vraiment le travail des animations tout au long de l'été, hein, qui vont avoir lieu en gros entre le 20 juillet et fin août, quoi. Et puis en parallèle, on a plusieurs autres actions. On fait des balades théâtralisées. Donc là, Ok. on a des comédiens qui partent en fait en balade avec des habitants ou pour découvrir des lieux ou juste pour cheminer dans le quartier, entendre des extraits de texte, au détour d'une rue, se faire surprendre par une petite scène de théâtre, voilà, avec des comédiens. Et à Nantes, on organise pour la 4e année une action interquartier qui s'appelle Rendez-vous au Pataugeoire, où là, en fait, on va se balader d'un quartier à un autre et on s'installe au pied des Pataugeoires avec des animations proposé par une cinquantaine d'assos nantaises et des spectacles proposés par des artistes locaux. Ok, super, ça a l'air super riche tout ça. Et tout à l'heure, tu me parlais des nombreux acteurs culturels existants et de beaucoup de projets qui émergent un peu sur tous les territoires. Et d'ailleurs, Pâques la Lune et Réseauville lancent ce cycle culturel par les capsules vidéo pour notamment faire une mise en réseau des acteurs par le biais, par exemple, d'une cartographie
sur le site UMAP. Et je voulais savoir, vous, qu'est-ce que vous attendez d'une mise en réseau justement de ces acteurs culturels? Bah, ce qui est intéressant, c'est déjà de favoriser l'interconnaissance. On a beau dire, chacun est hyper créatif et en même temps, on n'invente jamais rien, je crois, parce qu'il y a toujours plein de choses qui se sont faites ailleurs et favoriser l'interconnaissance entre les acteurs, c'est à mon avis déjà intéressant pour aussi peut-être des fois s'enrichir des expériences des autres. Partager aussi peut-être nos difficultés et voir comment, à plusieurs, on peut chercher des leviers. À Nantes, il y a eu cette démarche de création d'un groupe culture qui fait partie des groupes thématiques du contrat de ville. Et ce qui était intéressant dans la mise en réseau des acteurs culturels, c'est à la fois l'interconnaissance des compagnies, mais aussi le fait que dans une démarche de réseau, eh ben, on va avoir des bailleurs sociaux qui disent, pour nous, la culture, c'est intéressant. On va avoir les villes ou l'État qui vont pouvoir mobiliser alors les délégués du préfet, mais pourquoi pas aussi les services culturels de l'État, dans les villes, les services culturels, les personnels des médiathèques, et finalement se retrouver des fois ensemble, les maisons de quartier, les centres socioculturels, les compagnies de théâtre ou les photographes, les plasticiens, le bailleur social, le représentant de la mairie. Voilà, se retrouver ensemble, bah, ça permet des fois de comprendre un peu quelles sont les contraintes de chacun. Et ce qu'on a vraiment ressenti, nous en tout cas en tant qu'acteurs culturels, c'est que ça nous permet aussi de partager nos contraintes, en fait. Finalement, aujourd'hui, la difficulté qu'on peut avoir, des fois, c'est comment expliquer quelle est la démarche de travail et aussi comment expliquer quels sont les budgets en fait dont on a besoin. C'est vrai, quand on fait un projet avec des artistes, ben, en fait, on doit rémunérer les comédiens. Si on fait intervenir un auteur, on doit payer l'auteur et c'est des budgets qui s'appuient ben, sur des grilles de salaire, des conventions collectives. Et quand on est bailleur social ou délégué du préfet en charge de la politique de la ville, ben, on ne sait pas forcément quelles sont les grilles de salaire dans la convention collective du spectacle vivant, quoi. Et ça, c'est important de partager ça parce que finalement, si on défend le fait d'accueillir ou de travailler avec des artistes professionnels, il faut se poser la question de quels sont les moyens nécessaires pour pouvoir faire ces projets-là. Donc ça, c'est un premier exemple. Et puis après, je pense qu'il y a plein de choses, effectivement, qui sont aussi pertinentes dans le fait de favoriser les croisements entre les expériences, parce que en fonction des publics, de l'âge des publics avec lesquels on travaille, peut-être on peut aussi des fois être dans des formes de coopération. Et je pense en plus que, il y a un vrai enjeu, de penser les projets à plusieurs, en fait. Et plus on favorise l'interconnaissance, plus on crée les moments de rencontre, plus après c'est facile, en fait. Quand un projet s'imagine de le penser à plusieurs et pas chacun dans son coin. Super, merci beaucoup, Christophe Chauvet. Merci.